J'ai la Salut tout gueule le pour. monde, c'est Taras, qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls Online. Et je ne suis pas tout seul là, je suis avec Wadge. Salut. C'est pas Watch, hein, c'est Wadge. Wadge, vous l'avez vu dans Diablo déjà. Et donc, petit message par rapport à l'ancienne vidéo. J'ai été bloqué hein, dans un bug, mon perso est resté bloqué pendant un certain moment. Du coup, j'ai continué un petit peu les quêtes. Et histoire que ce soit bien clair, maintenant les quêtes que je ferai en vidéo, ce sera vraiment que celles de l'histoire principale. Donc là, aller parler au prophète. Donc là, je fais cette petite vidéo pour finir l'histoire avec les orques, comme je l'avais commencé. D'ailleurs, dans les quêtes que j'ai continuées, grosso modo, l'histoire, et le culte de Sangrépine veut réveiller une armée de morts-vivants, c'est ça? Ouais, c'est les cadavres des Rouges Gardes qui avaient fait la guerre ici avant. Et puis à l'aide d'une relique Hylaid, ils veulent réveiller une armée de morts-vivants pour leur péter la gueule, quoi. Et nous, on doit les en empêcher. Bah, donc là, on va continuer vite fait. Donc en plus, Watt, j'ai bien gentil de m'aider parce qu'il a déjà fait les quêtes. Oh putain, un minerai. Je l'ai vu aussi. Tu l'as vu aussi? Ouais, j'ai tracé Est-ce dessus. que je l'ai? Bah, tu l'as vu. Moi, je te dépasse, mais. Pas de soucis, bah moi je te passerai mes plantes du coup, faut que. Bah en même temps si je les vois je te laisserai les prendre en fait, c'est plus simple. C'est les plantes fibreuses qu'il me faut. Ouais, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je suis pas sûr d'en avoir trouvé. Commandeur Karch, c'est quoi le problème? Faut qu'on chope aussi le Valérique là. Ont levé une armée spectrale dans les profondeurs des Si ruines. Tu sais où est-ce qu'il est. On pourra pas les vaincre. Dès qu'il en bure. Les blessés à la forteresse. On doit Non, y l'éclat céleste. Ah, l'éclat céleste? Le dernier, ouais. Il en manque un, il en manque un. Ici? Bah non, on a fait les trois. Trouvez comment entrer dans les orques sont Ah en ouais, déroute face pas à une armée des cristaux autour de la porte. Hop. Je dois trouver Kalen. Alors, bon, les cristaux autour de la porte. La chute de Karzog. Indice activé, une pierre de Wilkind. Ah, il t'a disparu. Ouais, pareil, je te vois plus. Ce qui veut dire qu'on peut pas taper les mobs ensemble là. Non. Non, là, moi j'ai plus de mobs ici donc. Ah ouais, t'as déjà tout purifié. Mais je pense, ouais. Mais si, mais je pense que. Bah, je vais. Moi je vais. Tiens, je cueille de l'absinthe. Mais je pense que si tu ouvres une porte. Ouais, on se retrouvera à nouveau. Ouais, bah, tu tues des. Ouais, faut que j'aille ouvrir les pierres de Wilkin là. Tiens, un incendiaire. Hop, donne-moi une gorgée de magie. Je suis bien content d'avoir ma charge qui mobilise à nouveau. Il est vachement pratique ce petit sort. Hop. Voilà, l'esprit Hylaid. Vous n'avez pas d'âme. On m'a volé mon âme. Je suis roux. Je suis un orque roux. Tous tes abonnés qui sont roux, ils vont se désabonner. C'est ça. Je suis désolé pour les abonnés roux. Un minerai. Deux minerais. Ah bien. C'est ici qu'il y a plein de minerais, je trouve. Ouais, il y en a un peu partout. J'ai hâte de retourner à Dagfilante, mais elle me manque. Alors, bon. Putain, c'était dur comme quête ça. Mener l'esprit jusqu'à la porte. Ouais, t'en as trois à faire. Ouais, je sais. Ouais, activer le cristal dans le passage. Oh, c'est tout noir. Le jeu est tellement bien fait que là où je suis, t'as un petit filet de lumière entre deux falaises. Et t'as vraiment rien comme lumière, mais ils le mettent. Ouais. C'est beau. Tant mieux. Alors, la deuxième pierre de Welkind. Je l'active devant les mobs. Des intrus. Les une terreur comme l'esprit qui m'engueule en plus. Vous n'avez pas d'âme, ce manque vous sera sans doute utile. Ça les choque que j'ai pas d'âme. En même temps, eux, c'est tout ce qui reste. En vrai, un esprit, c'est juste une âme, quoi. Mmh.
Hop, allez, le deuxième. Je vois ta flèche. Ouais, moi je vais pas là, j'essaie de trouver des minerais. Les minerais que j'ai pris tout à l'heure, ils ont déjà repop. Hop, moi je vais chercher le troisième. Un des deux. Ah non, il y en avait juste deux. Voilà, entrée dans le sanctuaire Illéide. J'arrive. Ah, parce que Wedge, c'est la puissance de feu, lui. Il met des grosses tonches. Ah bah non. T'es tout seul. Attends, je suis pas encore dedans. Là. Je suis en chargement. Moi, la porte, j'arrive pas à la prendre. D'accord, je me disais, oui, c'est étonnant que t'aies Ah. chargé aussi vite. Non. Non, je peux pas. Ah, fais chier. Alors, je suis dans le sanctuaire. Non, j'allais dire, je vois quelqu'un derrière moi, mais c'est pas toi. Attends, je vais essayer de me TP. Ouais, j'ai peur que si ça me TP, ça me mette loin. Ça a de la valeur, ça, non? Ouais, impossible de sauter. Voilà, l'Erissa. Je parie que j'ai entendu les adeptes parler d'un portail qui donnerait sur la relique à l'origine de tout cela. J'ai pris l'uniforme d'un adepte qui n'en avait plus besoin. Prends encore un uniforme, ça prend de la place dans. Ouais, c'est. Il t'en trouve trop plein, quoi. Prenez cet uniforme. Bah, je voudrais bien, mais je peux même pourrir le sac. Caisse, fouiller, vide. Oui, bon, j'en ai pas besoin de l'uniforme, de toute façon. Je préfère leur tête et la gueule. Ah, parce que tu t'es transcendé en. Enfin. T'as fait un bond en arrière et t'es dans la peau d'un orc, mais vu que toi t'es déjà orc, tu vois pas la différence. Non, celle-là je l'ai déjà faite de quête. Ah, t'as déjà fait. C'est pas la même, ouais, ouais. D'ailleurs, où t'avais le choix entre les prisonniers, tu les tuais ou pas. Ouais, moi j'ai tué les trois. Non, la dernière je l'ai pas tué, la prêtresse. La prêtresse elle était cool. Bon, je l'ai buté quand même. Mais la princesse je l'ai buté, puis l'autre qui faisait le malin là. Ouais. Vas-y, plante-moi, porcinet. Ok, bah pas de soucis. Ok, donc là tu vas finir. Ouais. Ouais, parce que là c'est celle où, si je me souviens bien, il y a le choix à la fin avec la relique, on choisit ce qu'on en fait. Ouais, ouais, voilà. Bon, je suis en train de dégommer les sentinelles de la sangrépine, je vais avoir fait le vide dans toute la salle. Hop, le petit blocage. Alors, je crois qu'en plus il faut monter, il y a un étage si je me souviens bien dans ce donjon. Hop, oh, putain, la petite charge qui immobilise, je suis vraiment fan. Hop. Quoi toi? Faible en magie. Par contre, j'ai un doute, les attaques puissantes, elles consomment de la vigueur normalement. Non. Les attaques chargées, non, elles consomment pas de vigueur. Non, je vais l'enfer. Ah bah moi aussi, elles me consomment pas de vigueur, mais il me semble que pendant la bêta, elles consommaient de la vigueur, justement, les attaques puissantes, ils ont dû y enlever ça. Ouais, c'est moche en même temps. Tu prends deux fois plus de temps pour lancer une. Ah, y a un coffre, mais j'ai pas de crochet. T'as pas de crochet? Non. Comment t'as fait pour pas en avoir? J'en ai une trentaine. J'en ai pas trouvé. Sur mon autre perso, j'en avais, mais là c'est moche. Et donc oui, je vais arrêter de faire des vidéos sur toutes ces petites quêtes. Je ferai que la quête principale et je ferai pas mal. Merde, je suis en train de rester dans le feu, moi, comme un con. Je ferai pas mal de vidéos sur le PVP aussi, sachant que je vais avoir pas mal de collègues qui vont jouer au final, donc on va pouvoir faire de bonnes petites équipes. Enfin, quand je dis pas mal de collègues, en vrai, on va être 4. 4? Ouais. Et qui, du coup? Eh ben, il y aurait Léo, mon ancien coloc. Celui qu'on a eu tout à l'heure sur Skype. Non, non, non. Non, ouais, non. Parce que lui, il voulait pas tout à l'heure. Et puis, bah, tu sais, Nedrad, Diablo aussi. D'accord. C'est cool. Oui, oh, bah, plus on est, mieux c'est. Les autres ont continué leur route. Je me suis attardé ici. Ah, un cagit de torse-poil.
Maître Kassan. Le journal de Barjot. De Brigitte Barjot? Ouais, c'est ce que je pensais. J'ai pas osé la faire, mais j'y pensais. Et voilà, je l'ai faite pour toi. C'est bien. T'as plus Jacquard, il est là. Jacquard. Oui, je veux bien croire que tu connais un raccourci. Je peux pas lui parler. Je dois le suivre, mais en fait, c'est moi qui marche devant. Mais... De toute façon, je peux pas passer par là. Si. C'est le sanctuaire intérieur. Non, moi je vais prendre le chemin avec des pièges. Je sais qu'il y avait un chemin avec des pièges là, avec du feu et tout. Oh bah d'ailleurs, ouais, j'ai réussi à me faire cramer. Mais normalement, c'est censé être plus gratifiant un chemin avec des pièges. Bah, en fait, oui, je suis arrivé au bon endroit. C'était pas le bon endroit sinon. Et là-bas, il y a quoi? D'autres pièges. Wap, des doubles pièges. Je flambe. Ah, il est... Les pièges de feu. Hein. Ouais. Je flambe encore. Je vais finir par crever. Une potion. C'est fait. Ouais, j'ai vraiment pris ma sauce. Je me console en me disant que les joueurs devant moi aussi. Je m'étonne que ce soit que des incendiaires de la sangrépine ici. Donc voilà, la sangrépine, c'est des adeptes de nécromancie qui obéissent à un crevasset. Donc c'est un habitant de la crevasse qui est un ami avec Manny Marco. C'était un méchant, Manny Marco. C'est le méchant. Sanctuaire intérieur. Bah, atteignez le sanctuaire intérieur. Voilà, hop. Je sais pas si c'est le bon endroit. Oui, si. Faut que je parle à Nerano. Oui, puis on est là. En fait, cet endroit, on l'avait déjà vu dans le souvenir du Breton. Ou du Rouge Garde. C'était un Rouge Garde. Je soupçonne que Vardan est mort lorsque le portail s'est refermé. Un corps ne peut pas survivre sans son âme. Hein? Rouge Garde ou Orc? Non, c'était un Rouge Garde. Justement, les Orcs étaient en guerre contre les Rouge Gardes. Les Sangrépines ont utilisé cette pierre de Welkind pour ouvrir un portail vers le royaume des esprits. Sans le rituel breton de Vardan, c'était des Bretons, c'était pas des Rougegardes, c'était des Bretons. Vous, en l'occurrence. Vardan est dans le royaume des esprits. Ouais. Je viens de pas avoir d'âme, du coup je peux recevoir l'âme d'une autre personne. Et je dois tuer Vardan. Bah il est là. Il a déjà sorti, déjà amoché. Ça c'est un truc que je trouve à la fois bien et pas bien, le fait qu'il puisse y avoir d'autres joueurs. Parce que du coup, moi je suis arrivé, il était 3 quarts de vie en moins. Tu le touches une fois puis tu valides. Voilà, tu valides la quête, mais t'as pas le défi du combat que tu fais toi-même. Quoi. C'est dommage ça. Voilà, alors... Attendez, il nous faut réfléchir. Réfléchir à quoi? Elle a tué des centaines d'hommes. Ça c'est ce qu'on voyait dans les visions. Les adeptes qui ont fait ça. Entre de bonnes mains, elle pourrait aider à défendre l'Alliance contre les envahisseurs. Je n'offrirai jamais cette chose à ceux qui ont rasé Orsinium. Ah oui, Kaline et Pilambur, oui. Enfin, la relique est à nous, pour l'Alliance. Oui, gardez-la et utilisez-la. Une telle découverte pourrait faire basculer la guerre en notre... Alors, le capitaine Kaline, il veut l'utiliser. ...pour envahir l'Alliance. Plus de raids du pacte contre bord de ciel, plus de flotte du domaine dans nos eaux. Pensez à l'océan qui s'ouvre à nous, et pas seulement ses vagues. Ouais. Et puis l'embure. Détruisez la relique, vite.
Vous avez pas entendu les cris quand ces choses dévoraient les âmes de mon peuple? C'est pourtant évident. Vous pouvez pas remettre cette arme à ceux qui ont rasé Orsinium. Orsinium était autrefois une terre orque. Les rois bretons et Rougegarde ont la mauvaise habitude d'y réduire tout ensemble. Et l'Alliance pourrait subitement résoudre tous nos problèmes? Cet objet est une malédiction universelle. Aujourd'hui, Vardan l'emploie contre les orques. Mais... Hop, à moi de choisir. Je dois décider du sort de la relique. Eh bien moi je décide de la détruire. Parce qu'elle doit pas tomber entre les mains de... Bah de personne en vrai. Ça c'est vachement dangereux quand ils pensent à un truc comme ça. On a foutre, moi je la garde. je la laisse. Hop, et du coup si je la détruis, bah je crois que Kaline, bah, elle va plus être Kaline justement. Bannir la relique dans le royaume des esprits. Elle voudra plus être mon capitaine. Hop. On va lui reparler. Mais... Vos actions nous ont trahis, l'Alliance et moi-même. Si t'es en désaccord avec elle, elle va plus voir. Ouais, vous partirez d'ici sans moi, c'est ce qui me semble. J'avais déjà fait ça dans la bêta. Juste. Vous êtes encore plus bête que je ne pensais. Nous ne sommes pas du même bord. Pareil, Lyrissa, elle est pas contente non plus. Vous êtes encore plus bête que je ne pensais, nous ne sommes pas du même bord. Vous avez détruit ce qui aurait pu nous apporter. Et Nicolène aussi. Vous avez condamné. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Bon, à ces trois-là, on les verra plus. Alors que moi, je me fais insulter par tous les gens sur l'île. Ah ouais? Ouais. Je suis soulagé que ces idiots ne puissent pas jouer avec cette relique. Neramo, ça va, il s'en fout. Vous avez condamné à mort des milliers de soldats de l'Alliance. Votre choix était le bon. Maître Kazan, il est content, c'est bien, j'aurai le chatter ce poil. L'ambure, ben, elle est fière de moi, de toute façon c'était une orque. Et les âmes de mon peuple sont... Et puis Yakarn, il est d'accord c'était avec moi aussi. C'était un choix difficile, mais vous avez bien fait. C'est pas grave, c'était Yakarn mon préféré. Lui, c'est l'Aragorn de la troupe. Puis Lyrissa l'astucieuse, c'était Gimli. On s'en est débarrassé. Puis toi, t'es Legolas. Bah en vrai... Les gars, c'était pas trop. Ils étaient plus beaux que moi, quoi. Non, je sais pas, ils ont pas d'orc. À ce compte-là, faudrait prendre le donjon de Nahulbeuk. Mais... si on veut faire une vraie comparaison. Hop, voilà, donc ça aura fait la fin de la quête des orcs. On va aller parler au chef Tazgol. Toi, ils sont tous là à gueuler. Vous nous avez sauvés! Toi, c'est quoi, c'est quoi qui turle, toi? Ah, vous êtes... Oura. Hein? Oura. Oura. Pareil, ouais. Vous nous avez sauvés, parce que même c'est le mec qui contrôlait l'orbe qui était mauvais. Ouais. Ah, tiens, qu'est-ce que je vois? Haha, t'es deg. C'est pas grave, je prends celui qui est juste à côté. Ouais. J'ai fait que ça, hein. J'ai tourné, là je suis à 96, 100 minerais maintenant. Ouh, bah c'est bien, ça. C'est bien pour toi, ça. Hein? C'est bien pour toi, ça. Ouais. Oh merde, j'ai raté la cascade. Oh, ça va, il y avait du fond. J'ai eu du pot, je suis pas tombé sur le rocher. Putain, il y a une rune. Là, il y a un minerai. Bon, je vais te laisser la rune, mais je viens de voir deux autres pélos juste au-dessus. Je vais pas qu'ils la récupère, c'est pas grave. Ah bah, ça m'a fait un succès. Succès déverrouillé, récolteur de ressources expert. Ah bah moi j'ai le premier succès récolteur. Vu que j'ai fait que ça pendant que tu faisais ta quête. Tiens, il y a du bois. Tiens, il y a une araignée. T'as du mal, hein. Non, je suis en train de tester des trucs. Je la tapais pas. Il faudra qu'on essaye les combos avec moi. Mmh. C'est le prochain mode. Hop, alors attends, on va aller parler à Tazgul. Elle est là, c'est la forge. Là. Eh bah oui, elle est là. Attends, alors attends, c'est marqué comment? Suffisait d'ouvrir la map, puis de mettre son curseur sur forgeron. Ah oui, forgeron de Pierre Croc. Exact. Bon, moi j'irai y voir tout à l'heure, j'ai déjà fini la quête. Minerai de fer. Je vais raffiner tout ça, hein, écoute. Hop,
Je sais pas si tu peux y échanger une fois que c'est raffiné. Ah, voilà, je vais pas. Je sais pas. Faire quoi avec cette relique ? Alors, chef Tazgul, je l'ai détruite. C'est pas lié. Une guerre doit être honorable. Il y aurait aucun honneur à utiliser un tel artefact. Vous avez sauvé ma tribu et mon île. Donc votre oui, tu es mon débiteur. Pour empoisonner notre monde. Bien, vos actions ont révélé notre vulnérabilité. Je pensais ma tribu en sécurité sur notre île. L'attaque de... Il y a des mois de ça, Sir Lannis m'a offert de rejoindre l'alliance de Dagfilant. J'ai refusé. Et voilà. On va pouvoir aller à Dagfilant. Hop. Eh bien, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc, sur la quête principale. Puisqu'au niveau de l'histoire principale, je dois aller voir le prophète dans Dagfilant. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez vu donc ce qui s'est passé sur le continent des orques. Hein, comme ça on aura assisté à la fin de la guerre avec la sangrépine. Et on se retrouve eh bien très rapidement pour la suite. Allez, ciao tout le monde !